Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais être honnête avec vous, c'est une vidéo que j'avais pas prévu de tourner, honnêtement. Aujourd'hui devait être une vidéo totalement différente. Mais j'ai reçu pas mal de DM Instagram récemment et même des commentaires sur YouTube qui me demandaient et ben mon parcours en fait, mon parcours en sorcellerie, c'est-à-dire comment j'avais découvert tout ça, la Wicca, comment je m'étais découvert en tant que sorcière. On me demandait aussi des conseils pour débuter. Donc, comme j'ai reçu pas mal de messages sur les deux réseaux, j'ai longuement hésité déjà à en faire quelque chose d'assez général et d'assez complet. Donc j'ai commencé à répondre un peu partout, mais je me suis vite rendu compte que c'était compliqué. Et du coup je me suis dit ok bah on va faire une vidéo. Le problème c'est que je ne savais pas sur quelle plateforme faire cette vidéo. Je ne savais pas si déjà j'allais en parler en story Instagram ou en fait tout simplement faire une vidéo. Sur YouTube ou alors une vidéo à IGTV. J'étais un peu dans le flou et sans forcément parler de la case conseil, mais plus de vous parler de mon parcours. Il s'est avéré que récemment, mon parcours a un peu changé. C'est pas que ce en quoi je croyais avant, je n'y crois plus, mais je commence à m'intéresser en fait à d'autres choses. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo YouTube. Voilà. Donc nous voici dans cette vidéo YouTube où je vais vous parler dans un premier temps de mon parcours. Je vous en avais un petit peu parlé dans ma vidéo Quelle sorcière es-tu? Le tag que j'avais fait, donc ma première vidéo ésotérique. Je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Mais en gros, j'ai découvert véritablement la sorcellerie, si on veut y mettre une date, en 2012. Je me suis toujours sentie différente bien avant ça. Dans le sens où je crois que le plus vieux souvenir que j'ai par rapport à ça, c'était moi qui étais une petite fille, une enfant, qui... Je parlais aux plantes. Je parlais aux plantes, je parlais aux objets, je parlais. En fait, je parlais aux choses, voilà. Comme si, en fait, derrière, il y avait une âme, il y avait un esprit. Je parlais comme si je parlais à un être humain, en fait. Et je le rentre pour moi dans la sorcellerie parce que, du coup, j'étais considérée comme une adolescente, une enfant, pardon, différente par beaucoup de personnes et même ma famille. J'ai grandi, j'ai pas forcément mis tout ça de côté, mais je suis arrivée en fait à l'âge adolescent. J'ai pas vécu mon adolescence comme tout le monde, j'y reviendrai peut-être un jour, je sais pas, mais pour l'instant c'est pas le sujet. Mais en gros, moi, ma période d'adolescence, c'était plus une période de préadolescence en fait. J'ai grandi très vite et j'ai régressé aussi également. Par exemple, pour moi, mon adolescence, je l'ai vécue, j'avais 19 ans. Bref, c'est un autre sujet. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que moi, à ma période adolescente, je n'étais pas assez mature pour tout un tas de choses. Je me sentais toujours différente. Et jusqu'à présent, j'avais toujours assumé ma différence. Sauf que quand on arrive vers l'âge adulte, la différence est très compliquée à gérer auprès des autres. Et à l'âge adolescent, ça l'est encore plus. Parce qu'on est dans une période de notre vie pleine de doutes, où on se pose énormément de questions, et qui n'est pas forcément remplie de confiance en soi. Donc du coup, forcément, j'étais arrivée à un stade de ma vie où la seule chose que je voulais, c'était m'intégrer. Je voulais m'intégrer, je voulais avoir des copains, des copines, je voulais faire partie d'un groupe, me sentir aimée. Et si pour ça il fallait que je change qui j'étais, j'allais le faire. Donc pendant très longtemps, j'ai mis toute cette partie de moi de côté. Je me suis bridée en fait, tout simplement. C'est débile à dire, mais j'ai vécu une rupture amoureuse qui m'a fait me sentir très mal. Qui m'a fait encore plus perdre confiance en moi. Et à ce moment-là, j'ai eu une sorte de déclic et je me suis dit, ok, il serait peut-être temps qu'on retrouve des choses qu'on connaisse.
J'avais besoin de retrouver voilà un univers familier, des sujets, des hobbies que je connaissais, que j'aimais en fait, tout simplement. Donc je suis redevenue qui j'étais petit à petit, cette petite fille un peu différente qui parlait aux plantes et qui avait toujours cru qu'il y avait plus que ce qu'on voulait nous montrer. Et j'ai commencé à faire des recherches, tout simplement. Quand je vous dis que j'étais différente, j'ai toujours été passionnée par les sorcières, par un univers un petit peu sombre, un petit peu dark, par Harry Potter, par les sorts, par la magie en général. J'ai toujours été fascinée par ça depuis que j'étais toute petite. Je me souviens, j'ai des souvenirs très nets de mon frère, ma sœur et moi qui regardions Charmed. Voilà, hein, c'est un truc tout con. Mais voilà, c'était une série que j'adorais et je jouais. C'est un sacré dossier que je vais vous donner là. Je jouais à Charmed quand j'étais en primaire. Ouais, c'est ça. En primaire, avec deux bonnes copines à moi. Donc on incarnait les sorcières Halliwell et on s'amusait à jeter des sorts avec des bâtons dans la cour de récréation. Voilà. Ça m'a toujours fascinée. Cet univers un petit peu différent, un petit peu magique, même dans mes lectures en fait. Et du coup, j'ai voulu en fait mettre un pied dedans et j'ai fait mes propres recherches. J'ai commencé par des recherches sur internet qui n'étaient pas hyper bien sourcées, mais alors vraiment même pas du tout. C'était clairement des recherches de merde, hein, qui n'étaient absolument pas fondées, mais bon. Mais j'ai commencé à rechercher comment créer un sort, etc. À la base, je me suis vraiment orientée sur la sorcellerie en elle-même, parce que c'était entre guillemets ce que je connaissais, c'est-à-dire que moi je ne savais pas qu'il existait une religion telle que la Wicca autour de ça, des mouvements païens, je n'en avais absolument pas conscience du tout en fait. Donc j'ai commencé à regarder tout ça. Dans un premier temps, comment créer des sorts avec des herbes. Des livres, des pierres, des ceci, des cela. Et j'ai découvert la Wicca à force de recherche. Je me suis orientée vers ça parce que j'ai eu, je sais pas, une sorte d'instinct peut-être. Mais en tout cas, même ma curiosité a été piquée en me disant, mais qu'est-ce que c'est? Et je me suis souvenue aussi également d'un épisode de Malcolm où on parle de la Wicca et on explique que c'est une religion qui est reconnue aux États-Unis et qu'ils ont le droit d'avoir des jours du coup pour leur religion. Je me suis souvenue également d'un épisode des Simpsons qui en parle et je me suis dit, ah c'est marrant, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais tilté et je me suis jamais demandé ce que c'était. Peut-être parce qu'instinctivement, j'étais pas prête encore à le savoir. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur la Wicca. Je me suis d'abord orientée vers des forums, vers Wikipédia, et ensuite je me suis dit, il me faut du concret, il me faut du palpable, il me faut des livres. J'ai cherché les boutiques ésotériques qu'il y avait à Lyon, et j'ai trouvé ma boutique ésotérique de cœur, Ésocalis, dont je vous en ai beaucoup parlé. Ils ont un site internet, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et j'ai regardé un peu les livres qu'ils avaient. Je me suis déplacée dans la boutique. Et j'ai trouvé le livre de Scott Cunningham, La Wicca. Voilà. Donc celui-ci. Alors c'est pas celui que j'ai acheté il y a des années de cela, donc aux alentours de 2012. C'est pas celui-ci que j'ai acheté précisément, mais c'est le livre La Wicca, Manuel de magie blanche de Scott Cunningham. Ça a été un petit peu ma bible pendant très longtemps. Je me suis imprégnée de tout ce qu'il disait. J'ai fait mes propres recherches et j'ai commencé à pratiquer selon ce que disait Scott Cunningham. J'ai eu à nouveau une période de trouble dans ma vie, une période assez sombre où je me suis sentais pas acceptée. Mais voilà, en fait, je me sentais à nouveau différente et je me sentais du coup difficilement différente. J'arrivais pas à accepter le fait que j'étais différente. Donc j'ai eu une période de trouble. Et j'ai fait une chose que je regretterai toute ma vie. Toutes mes affaires de sorcellerie de l'époque, je les ai jetées. Je les ai juste balancées à la poubelle. Livres, produits ésotériques, rituels, tout, 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 plantes. J'avais un nombre de plantes incalculable. J'ai tout jeté. Parce que j'arrivais pas à accepter cette part de moi.
Et je me disais, de toute façon, si c'est encore là dans ma vie, chez moi, j'arriverai pas à ne pas l'accepter. Vous voyez ce que je veux dire? J'arriverai pas à prétendre que je suis normale, en gros. Puis, le temps a passé, j'ai mûri, j'ai grandi. Je me suis totalement acceptée seulement récemment. Mais j'ai commencé petit à petit à assumer qui j'étais et à le dire aux autres. Parce que ça passait par ça aussi, de me dire... le jour où je savais que le jour où j'allais m'accepter, j'allais être capable d'affirmer auprès des autres « Je suis différente, je suis une sorcière ». Je ne savais pas tout ce que ça impliquait. Et au début, je ne me suis absolument pas qualifiée comme « Wiccan ». Je me suis simplement qualifiée comme sorcière, pratiquante la magie, la sorcellerie. Parce que pour moi, la Wicca, je sentais déjà que c'était bien plus complexe, bien plus large que ce que ce livre pouvait m'apprendre. Puisqu'ici, vous n'avez qu'en fait que le point de vue de Scott Cunningham sur ce qu'est la Wicca traditionnelle. Et vous n'avez pas tout un tas de choses que moi j'ai pu apprendre. Donc... j'ai commencé comme ça, et puis j'ai commencé à faire tout un processus de recherche. Vous ne pouvez pas débuter la sorcellerie sans faire des recherches. Ce n'est pas possible. Je pars du principe que dans la sorcellerie, vous apprenez tout le temps. C'est un continuel apprentissage. Tout le temps, vous apprenez des nouvelles choses sur de nouveaux sujets qui, avant, ne vous intéressaient pas, maintenant vous intéressent, et vice-versa. C'est tellement large, ça touche tellement de choses que vous apprenez continuellement tout un tas de choses, en fait. Donc, j'ai commencé tout un tas de processus de recherche, d'abord centré sur la Wicca. Et c'est là où j'ai découvert une religion... que c'était comme une évidence, en fait. Je me suis dit, mais c'est déjà tout ce que je pense, c'est déjà toutes mes valeurs... et c'est déjà tout ce que je fais un petit peu en fait. Et ça a été une évidence pour moi. Je n'ai pas été initiée. Je coupe court à toutes les questions qui risquent d'arriver. Parce que ce que je pratique n'est pas la Wicca traditionnelle. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur la Wicca. Je crois que c'était le premier épisode, il me semble. De toute façon, je vous le mettrai dans le petit i. Il existe plusieurs mouvements de la Wicca, comme il existe plusieurs branches de la chrétienté. De tout un tas de religions en fait. Vous n'êtes pas juste la Wicca en fait, parce que ça n'existe pas juste la Wicca en général en fait. Pour ma part, je suis une Wiccan éclectique, c'est-à-dire que je suis une touche à tout. Je pratique les principes de la Wicca qui va être la croyance en un dieu et une déesse, le principe de vivre par les 8 grandes célébrations de l'année, donc la roue de l'année, et tout un tas de choses. Je vous invite vraiment à aller voir mes deux vidéos sur la Wicca parce que je vais pas me répéter. Mais bon, bref, je vis par ces principes-là. Cependant, je n'ai pas une branche spécifique. Dans la Wicca traditionnelle, comme par exemple je l'expliquais, il y a donc tout un concept de pratique en coven, donc avec un groupe de sorciers. Et vous avez aussi cette histoire d'initiation. Vous ne pouvez pas être Wiccan traditionnel sans avoir été initié. Et il y a aussi cette loi du silence que moi, je n'applique pas puisque je suis ici. C'est-à-dire que je ne vais avoir aucune honte à parler de ma pratique, à dire par exemple que je vénère telle déesse, que je fais tel type de rituel, etc. Voilà. Donc... dans tout un tas de branches, et notamment la branche de Wicca éclectique et mon cas aussi également solitaire, il n'y a pas nécessairement besoin d'initiation. Et c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, je pique un peu partout, je fais mes recherches, je crée ma propre pratique, je ne suis pas vraiment dans une case. Les seules cases qu'on pourrait me donner, voilà, c'est ces cases éclectiques, parce que je suis une touche à tout, et solitaire, parce que je fais ma pratique... seule. Je n'ai pas de coven, je n'ai pas je n'ai pas eu d'initiation, je n'ai pas de sorcier qui m'a formé ou quoi que ce soit. Alors je ne fais pas tout le temps ma pratique seule, ça m'est déjà arrivé par exemple de faire des rituels avec ma belle-mère, ma demi-sœur ou alors avec des amis à moi. C'est déjà arrivé,
Mais pour moi, ça ne rentrait pas en compte dans de la Wicca, ça rentrait en compte dans de la sorcellerie. Et il faut bien faire la différenciation, c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui va toucher à la Wicca, moi je vais le faire seul. Célébration de sabbat, célébration d'esba, par exemple, tout ça je vais le faire seul parce que ça touche à ma vision de la Wicca, à ma pratique de la Wicca, en fait, tout simplement. Tout ce qui va être célébration à la déesse, célébration au dieu, etc. J'ai ma propre vision du dieu et de la déesse. Je sais pas si j'arrive à être claire dans ce que je dis, mais voilà, parce que je sais que j'ai reçu des questions en me demandant est-ce que tu as été initiée, etc. Non, parce que je ne pratique pas la Wicca traditionnelle, je ne pratique pas la Wicca gardnerienne, et donc voilà. Et j'ai reçu des questions me demandant ce que je pensais du coup. Est-ce que pour moi, les Wiccans qui n'ont pas été initiés sont de vrais Wiccans? Oui. Est-ce que vous vous iriez dire à un chrétien qui ne va pas à la messe qu'il n'est pas vraiment chrétien? C'est un peu arbitraire quand même. Je trouve ça un peu triste. Après, si c'est votre façon de voir les choses, grand bien vous fasse, mais ce n'est pas la mienne. C'est-à-dire que, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo à nouveau sur la Wicca, j'ai grandi avec une grand-mère catholique. J'ai été à la messe à plusieurs reprises, et ce que j'en ai appris de cette religion, c'est que c'est très fermé, avec des règles, et c'est pas ce qui m'a plu. En fait, ce que j'ai aimé avec la Wicca, c'est qu'il y avait tellement de branches qu'on pouvait vraiment en fait faire sa petite popote, sa petite Wicca à sa sauce, et en fait, voilà, pratiquer selon ses propres valeurs et ses propres croyances. Parce que, je vous prends un exemple tout con, beaucoup de Wiccans vous diront que pour être un vrai Wiccan, il faut être végétarien, voire vegan. Parce qu'on ne peut pas célébrer la nature si on mange de la viande ou alors quoi que ce soit qui vienne d'un animal, de production animale. Ce sont des valeurs qui sont différentes. Un chrétien, s'il ne fait pas le carême, il reste chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur... Et en plus, la Wicca, c'est quelque chose de tellement différent de la chrétienté, parce que les chrétiens suivent, entre guillemets, ce livre, la Bible. Pour les Wiccans, ça n'existe pas. Alors, pour les Wiccans gardneriens, c'est différent, parce qu'il y a donc ce livre, le livre des ombres de Gardner. Mais pour nous, il n'y a pas un livre qui va nous dire « La Wicca, c'est comme ça ». Non. Il y a un début... Il y a des racines, en gros. Il y a des racines, mais c'est à vous de construire vos propres fleurs. C'est à vous, par exemple, de décider si vous voulez travailler en coven ou si vous voulez travailler en solitaire. Si vous voulez plus travailler le chamanisme ou si vous voulez plus travailler la magie verte. C'est à vous de le sentir, en fait. Donc aujourd'hui, je m'assume totalement. Et c'est grâce aux vidéos YouTube et à mes vidéos ésotériques que j'arrive vraiment à m'assumer au quotidien et à dire en fait que voilà, je suis une Wiccan éclectique solitaire et que je pratique ma magie comme je l'entends. Voilà. Pour tout ce qui va être, comment débuter? Il n'y a pas de réponse magique à ça. Une règle à respecter pour débuter. Parce que, je vous parle de la magie en général, c'est extrêmement large, autant que la Wicca, et du coup ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes plus du genre à faire des rituels, ou alors est-ce que vous êtes plus du genre à jeter des sorts? Ça va dépendre. Donc forcément, vous n'allez pas vous orienter sur les mêmes recherches et les mêmes livres, par exemple. On m'a beaucoup demandé quel livre utiliser pour débuter. Mais ça va dépendre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas du genre à utiliser les cristaux, mais plus du genre à utiliser les plantes, eh ben orientez-vous plus vers des plantes. Ça dépend. Et si vous ne savez pas, partez sur des livres généraux. Dans ce cas-là, vous avez tout un tas de livres. Déjà, par exemple, vous pouvez partir si vous voulez commencer la sorcellerie, ce qui est pas mal, c'est Sorcière, par exemple, celui-ci, donc je vous en avais déjà parlé. Ce que j'aime bien avec ce livre, c'est qu'il va parler de l'histoire des sorcières, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez des petits livres qui sont à prendre avec des pincettes parce que tout n'est pas forcément vérifié à l'intérieur, mais vous avez par exemple celui-ci, Manuel de sorcière
de Céline Silverwind, qui est aux éditions Le Pré Auclair, qui est une très bonne maison d'édition, qui va parler un petit peu des bases. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que ça va parler, par exemple, de déités qu'on ne connaît pas forcément, comme les déités hindoues, on va parler du vaudou, on va parler des déités chinoises, etc. pour que vous créiez votre propre panthéon. Si vous avez plus une attirance pour les déités chinoises, ne vous forcez pas à vénérer des déités celtes parce qu'on vous a expliqué que c'était comme ça que ça fonctionnait. Pas du tout. Ça va dépendre à nouveau de vos intuitions et surtout de ce que vous souhaitez faire. Vous avez ce petit livre aussi qui est pas mal, là, Sortilège. Qui est vraiment pas mal du tout. Vous avez des petits livres comme celui-ci, Petit manuel pour jeter des gentils sorts aux éditions Larousse, qui est très très bien pour débuter, parce que si vous vous intéressez plus aux sorts qu'à tout ce qui va être structure de la sorcellerie, etc., bah au moins là-dedans vous avez un petit peu tout, et c'est super sympa. Vous avez celui-ci aussi, Carnet de sorcières, aux éditions Marabout, Sortilège, incantations et formules pour mettre de la magie dans sa vie. Puis il est super beau aussi, donc ça va dépendre à chaque fois. Donc s'il vous plaît, arrêtez de demander aux personnes qui vous montrent leur pratique ou qui vous parlent de leur pratique. Je sais que c'est le fait notamment pour ma sorcière Tiffany Katz, que je suis sur les réseaux sociaux. On lui demande souvent quel livre pour débuter. Lisbeth Némandy a fait un post aussi Instagram à ce sujet. Mais ça va dépendre de tellement de choses, on ne peut pas vous répondre parce que ça va dépendre de vous en fait. Donc c'est très compliqué comme question. Mais voilà, vous avez tout un tas de petits livres pour commencer qui sont pas mal du tout. Et si par contre, pour la Wicca, j'essaie de chercher le livre, je sais pas. Ah, il est là-bas, je vais le chercher, attendez. Donc je disais, pour la Wicca, ce qui est différent, c'est que vous êtes plus sur quelque chose d'assez plus structuré en fait. Donc si vous vous orientez plus sur la Wicca, et pas sur une pratique entre guillemets plus païenne, je vous conseille un livre qui n'est pas celui de Scott Cunningham, parce que Scott Cunningham, déjà dans un premier temps, son discours n'est pas assez moderne, enfin n'était pas assez moderne puisqu'il est décédé, n'était pas assez moderne et très auto-centré sur sa pratique à lui. Par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais il va parler Coven, je crois que c'est son coven qui s'appelle comme ça, Pierre debout. Donc vous allez avoir par exemple une partie de son livre des ombres, le livre des ombres des pierres debout, qui voilà, qui va vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Vous avez des champs et il va vous expliquer comment tracer un cercle de pierre. Pour ma part, je ne trace pas mon cercle comme ça. C'est-à-dire que ce livre, je l'aime bien parce qu'il y a des choses à prendre, il y a des choses intéressantes. Mais pour débuter, le problème c'est qu'on a tendance à tout prendre. Et c'est pas ce qu'il faut. Et c'est malheureusement l'erreur que j'ai faite pour débuter. Et je vous le conseille pas pour débuter. Pour débuter, je vous conseille celui-ci. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la Wicca. Le problème, si c'en est un, c'est qu'il est en anglais. Beaucoup de monde, je veux dire, n'aime pas trop lire en anglais. Mais il est vraiment génial. Donc c'est le livre Wicca de Harmony Nice, qui est actuellement une youtubeuse aussi également, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est A Modern Guide to Witchcraft and Magic, donc un guide moderne. Et pourquoi justement je l'aime bien? Parce que c'est un guide moderne. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il va aborder des sujets modernes, qui va plus nous toucher. Donc par exemple, on va retrouver tout en première partie, qu'est-ce que la Wicca? Donc on va parler de Wicca, de sorcellerie et de paganisme, elle fait bien la distinction des trois. Elle va parler de divination, de nature, de la règle du triple retour, de magie Y-E et pas magie I-E, quelle est la différence, et ça elle va expliquer. Elle va expliquer donc aussi les courants wiccans, le livre des ombres, les déités. Ensuite dans sa deuxième partie, pourquoi explorer la Wicca, elle va parler notamment des bénéfices mentaux que vous allez probablement ressentir. Et ça je trouve ça vraiment cool de l'aborder parce que c'est quelque chose que personne ne fait, associer la spiritualité, la sorcellerie à un aspect mental. Elle va parler de méditation, elle va parler de prendre soin de soi, de la créativité, etc. Dans la partie 3, elle va expliquer, entre guillemets, elle va donner ses astuces pour démarrer. Donc elle va pas vous expliquer, voilà, il faut que vous traciez un cercle comme ceci, il faut que vous fassiez cela. Et c'est ça aussi que j'aime bien. Elle va parler notamment de la roue de l'année, célébrer les sabbats, les esbats, etc.
Elle va parler d'hôtels, d'outils magiques. Elle va parler donc des correspondances des couleurs, des cristaux, des plantes. Elle va parler de l'astrologie, etc. Et elle va avoir quelques chapitres qui vont être extrêmement intéressants. Elle va avoir ce chapitre 3 qui va s'intituler « When others don't accept your faith ». Quand les autres n'acceptent pas vos croyances. Et ça, les gars, j'aurais tellement aimé l'avoir au tout début où j'ai commencé à pratiquer et à découvrir la Wicca, la sorcellerie en général. C'est tellement important d'apprendre comment gérer les réactions des autres. Parce que c'est différent et que les autres n'acceptent pas la différence. Donc voilà, c'est très important et ça, elle vous en parle. Elle vous parle aussi donc du silence, savoir si vous souhaitez en parler, pas en parler. Ça, c'est vraiment pas mal. Et elle vous parle des city Wiccans, c'est-à-dire des Wiccans qui vivent en ville. Bienvenue. Parce que on se fait une image de la sorcière qui vit à la campagne, dans une belle maison, qui a un chaudron et qui peut faire chauffer son chaudron au feu de cheminée, qui a un beau jardin pour planter ses plantes magiques. Bah tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est compliqué parce que beaucoup de livres n'en parlent pas. Et c'est le cas par contre de ce livre, il en parle. Donc elle explique, elle donne des petits tips en fait. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et elle va parler, évidemment, des petits espaces. Parce que parfois, comme moi, nous vivons dans une chambre. C'est-à-dire que moi, actuellement, je vis chez mon père. Donc, le seul endroit qui est à moi dans cette maison, c'est ma chambre. Et c'est le seul endroit où je peux pratiquer. Mais ce n'est pas qu'un endroit de pratique. C'est aussi ma chambre, j'y vis, je dors, je me maquille, je m'habille. Je travaille parfois dessus, enfin dedans j'entends, et du coup c'est difficile d'avoir un endroit parfois pour pratiquer. Donc ça, elle en parle aussi. En fait, il est très très moderne, il parle vraiment de sujets qui aujourd'hui peuvent nous toucher et je trouve ça vraiment cool. Et je terminerai là-dessus sur ce livre. Elle parle donc des coven, comment travailler en coven, comment trouver son coven, et elle parle des coven en ligne. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il existe des coven en ligne, parce que tout le monde n'a pas l'occasion de connaître des Wiccans dans sa ville, autour de chez soi. Je viens de me frapper avec le livre. Par exemple, oui, je vis dans une grande ville, je vis à Lyon. Cependant, mais en fait, comment expliquer? Est-ce que vous iriez voir quelqu'un dans la rue et dire « Bonjour, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es juif ?» pour essayer d'établir un contact? Non. Non, non, non. Bah c'est pareil. Et c'est encore plus difficile puisque dans la Wicca, on n'a pas de lieu où on peut tous se retrouver. Puisqu'on estime, je vais y arriver, que la nature est notre temple. La nature est vaste, très vaste. Du coup, on n'a pas forcément de lieu spécifique pour se retrouver, qu'on peut avoir par exemple les juifs avec la synagogue, les musulmans avec la mosquée, les chrétiens avec les églises, etc. Du coup, c'est compliqué pour nous de trouver des semblables. Et c'est comme ça que moi, par exemple, j'ai découvert qu'il y en avait plein, qu'il existait plein. J'ai découvert grâce aux réseaux sociaux. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire des vidéos ésotériques, c'était vraiment pour vous en parler, pour vraiment, en fait, vous dire, s'il y a des personnes, des Wiccans qui me regardent, vous n'êtes pas tout seul. On est plein, plein, plein. Et si vous êtes intéressé par travailler en coven, mais que, voilà, vous vivez, par exemple, dans un trou perdu et que vous avez personne autour de vous qui pratique la Wicca, et ben vous pouvez trouver des coven en ligne. Bref, tout ça pour vous dire que il n'y a pas de bon parcours, de mauvais parcours. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de règles. Lisbeth l'explique très très bien. Elle dit qu'en fait, la sorcellerie se rapproche plus d'un art que d'une science. Du coup, forcément, c'est beaucoup plus flou. Il n'y a pas de règles sur la manière dont vous devez pratiquer, sauf si vous êtes... si vous faites partie d'une branche spécifique ou quoi que ce soit, mais vous pouvez, voilà, être éclectique comme moi et en fait ben, piquer un peu de partout sur vos pratiques, etc. Et si jamais du coup vous vous orientez dans ce sujet de la sorcellerie, tout ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est renseignez-vous et écoutez-vous. Aujourd'hui,
Il y a énormément de livres qui existent sur ce sujet. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais que la Wicca de Scott Cunningham. Mais aujourd'hui, vous avez tellement de livres, c'est tellement ouvert à tout le monde que vous pouvez forcément trouver le livre qui sera bon pour vous. Vous ferez probablement des erreurs, vous trouverez probablement des livres qui ne sont peut-être pas adaptés. Mais c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et moi, j'ai appris par exemple que chez Scott Cunningham, tout n'était pas à prendre. J'ai découvert ensuite ce livre, bien trop tard puisque j'avais déjà plus ou moins intégré ma pratique. Mais si jamais quelqu'un souhaite se renseigner sur la Wicca, je conseillerais ce livre. Parce que je le trouve très complet. Peut-être que d'autres estimeront que non. Peut-être qu'il y a déjà un autre livre qui est sorti et qui est encore plus complet. Moi, c'est celui que je conseille en tout cas. Ma parole n'est pas d'or, vous en faites ce que vous souhaitez. Mais voilà. Si du coup vous cherchez des livres pour vous orienter sur tout un tas de sujets, je vous ai fait déjà deux épisodes de ma bibliothèque de sorcières où je vous parle du coup de magie verte et d'astrologie. Je vous mettrai les liens en barre d'infos et dans le petit i si j'ai encore de la place. mais voilà, si jamais vous voulez savoir quels livres peuvent être sympathiques pour débuter sur ces deux sujets-là, vous pouvez aller regarder mes vidéos, je vous parle donc de deux livres. Trois livres à chaque fois, pardon, donc qui sont très sympas et je vous donne du coup des conseils sur mes livres à moi, lesquels utiliser pour commencer par exemple, etc. Donc voilà, écoutez, j'ai déjà énormément parlé, donc je vais peut-être m'arrêter là, mais j'espère en tout cas que c'est un sujet qui aura pu, enfin une vidéo qui aura pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Au moins, j'ai répondu à toutes ces questions. Et voilà, j'espère malgré tout que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de me suivre sur Instagram pour débloquer le petit concours qui aura lieu quand on sera aux 500 abonnés sur Instagram. Bien dé. Puis en plus je parle de plein de trucs tout le temps, je raconte grave ma vie. Je poste pas beaucoup sur mon feed, mais par contre je suis assez présente sur les stories Instagram. Donc venez me faire un coup.